Dans cette nouvelle émission, nous nous faisons dans la fabrication cosmétique et la valorisation des huiles naturelles pures, des huiles et des beurres. Pourquoi nous mettons l'accent sur ces produits? Parce que lors de nos différentes recherches et lors de nos fabrications, nous sommes rendus compte que beaucoup de produits en circulation, beaucoup de produits en vente dans des grandes surfaces sont bons, mais il y a un problème qui se pose, le problème de la conservation. Ces conservateurs qui, au final, sont des perturbateurs endocriniens ne sont pas bon pour la santé. C'est pour ça que nous recommandons d'utiliser les huiles végétales pures et nous en faisons la promotion. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer par vous présenter les beurres. Nous allons commencer par le beurre de cacao. Le beurre de cacao est issu de la pression des fèves de cacao. Il est pur, sans additifs, sans conservateurs. Il n'a pas été dilué. Il fera le plaisir de toute votre famille. En externe, le beurre de cacao est un soin excellent pour l'entretien de la famille parce qu'il apportera hydratation et douceur à la peau tant qu'aux cheveux. Il a aussi des vertus antibactériennes. Les femmes enceintes en feront un bon allié parce que le beurre de cacao hydrate la peau, il prévient l'apparition des vergetures et pour celles qui ont déjà des vergetures, il va permettre d'atténuer leur visibilité. En Afrique, nous l'utilisons également pour résoudre le problème des entrecuisses sombres. Nous savons que de nombreuses femmes, à cause du poids et des frottements, ont des entrecuisses sombres, c'est pas du tout esthétique. L'application régulière du beurre de cacao sur ces parties vont vous permettre d'éclaircir ces zones, tant les aisselles que les entrecuisses. Le cacao est bon pour le cœur. Nous vous recommandons de consommer régulièrement le beurre de cacao avec une cuillère. Vous divisez en carreaux et vous consommez régulièrement. Le cacao vous permet de baisser le taux de cholestérol, lutter contre la tension artérielle. Également, tout ce qui est affection pulmonaire, nous vous recommandons d'en consommer. Pour les enfants et les adultes souffrant d'affection pulmonaire, nous vous conseillons de l'utiliser en massage. Un massage sur la poitrine et également pour tout ce qui est problème articulaire. Nous savons que le cacao est riche en vitamine C. Il viendra soulager ceux qui ont des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, les personnes qui souffrent de rhumatisme. Vous faites tout simplement fondre votre beurre de cacao ou l'appliquer sur le corps en massage. Le beurre de cacao, nous vous le recommandons vivement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye!